les Last Fingers comme on a vu ici. Tour Mexicali, Mike November, papa. Démarrage des moteurs. Lors de son tout dernier vol, un Boeing 727 est autorisé à décoller. Je vous informe que Big Flo circule sur la piste. Big Flo circule sur la piste. Tous les passagers, l'équipage, sont enregistrés. La durée du vol est de 40 minutes. Mais ce n'est pas n'importe quel vol. Je commence le virage d'approche finale. Cet avion va s'écraser. 8 km, 609 mètres d'altitude. Et l'équipage à bord va s'en assurer. Sortez, sortez, sortez! Les parachutistes ont sauté. 6 km jusqu'au point d'impact. Écraser cet appareil sera le bouquet final de 4 années de préparation minutieuse. Jim Bob a quitté son siège. Seulement, s'il s'en sort vivant. Wow. 3 km. Wow. 1,5 km, 121 mètres d'altitude. Prends un taxi jusqu'à l'aéroport. Une équipe internationale composée de scientifiques, d'inventeurs et de pilotes d'essais d'élite. Tout se joue sur le but final. Tout le reste n'aura servi à rien si on ne réussit pas. Se réunit pour réaliser le vol le plus audacieux du siècle, en espérant qu'il sauvera des vies. C'est une expérience unique de voir l'avion à l'avance et de le regarder s'écraser. Ensemble, ils vont acheter un avion, le remplir d'équipements de recherche de pointe, puis le laisser s'écraser. Les voitures, on en écrase tout le temps. Mais on ne fait pas ça avec des avions, juste pour voir si on peut les rendre plus sécurisés. C'est ça qui rend cette opportunité si unique. Mon oncle a été tué lors d'un accident d'avion quand il était dans la marine. J'en subirai toujours les conséquences. Tenez-vous prêts. Nous déclarons une situation d'urgence. Les crashs aériens se font rares. Très souvent, les seules images que l'on en a sont celles des séquelles. Pour ceux qui les étudient, l'épave est comme une scène de crime. Chaque morceau de métal est un indice de ce qui s'est passé. Mais l'un des plus grands mystères est de comprendre pourquoi certains passagers s'en sortent vivants, alors que d'autres périssent. Peut-on tirer des leçons des toutes petites décisions que prennent les survivants ? J'étais une fiancée heureuse, sans problème, qui partait en vacances. Nous sommes tous montés à bord de l'avion de manière très enthousiaste. Il n'y avait aucun, mais aucun problème. Suzanne Lord, de Istanbul à Amsterdam en 2009, avec son mari et ses deux filles, elle a été enregistrée au 11e rang. Je me suis dit, oh, on y est presque. Et tout à coup, il y a eu quelque chose d'étrange. J'ai regardé mon mari, puis c'était fini. On rentre dans l'avion, on s'installe, on attend qu'il parte. Hein, donc, comme n'importe quel vol, il n'y a rien de particulier. L'avion décolle. Jean-Marie Schreiber, sur le vol inaugural de l'Airbus A320 à Absheim. Il est assis au premier rang. C'était le 26 juin 1988. L'impensable va se produire. Et puis d'un coup, ça secoue.
On regarde par les hublots et je me dis, c'est pas possible, c'est un avion tout neuf, il ne peut rien se passer. On voit les branches d'arbres à travers les hublots, donc là on comprend qu'on est vraiment un petit peu bas. Et puis bon, c'est fini et on se demande comment ça va se terminer. Je suis sorti pratiquement le premier, donc je n'ai plus vu ce qui se passait à l'intérieur de l'avion. J'ai toujours vu encore les gens qui sortaient, qui glissaient sur les toboggans. À l'arrière, je n'ai pas vu parce qu'il y avait du feu. Tôt dans la matinée, grand-père est venu nous chercher. Et il nous a amenés à l'aéroport. David Beardmore. De Manchester à Corfou, 1985, rang numéro 13. Trois heures et demie plus tard, nous aurions dû être en vacances. On avait décollé depuis 10-12 minutes. Ils avaient commencé à servir les plateaux repas. Nick Stevenson, de Londres à Belfast, 1989, rang 1, siège F. Et puis tout à coup, il y a eu un énorme bruit. Et en réalité, c'était le moteur qui s'était arrêté. Après le bruit, on n'a plus rien entendu sauf le vent siffler à côté de l'avion. C'est le seul bruit dont je me souviens. Et je me souviens aussi du pilote nous annonçant au micro « Préparez-vous à l'atterrissage d'urgence ». Cette expérience unique combinera les témoignages personnels des rescapés de crash aérien avec la chute délibérée d'un avion de ligne. À l'aide, appelez l'ambulance. Ils vont étudier les conséquences de nos décisions à chaque fois que nous prenons l'avion. Où devrions-nous nous asseoir et doit-on se recroqueviller? Ce sont des questions qui, lors d'un crash, peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Les vestiges du 737 gisent dans la digue M1. Anne Evans est l'une des plus grandes enquêtrices en matière de crash aérien en Grande-Bretagne. Elle a aidé à reconstituer ce qui s'est passé à Lockerbie, ainsi que pour une douzaine d'autres crashs aériens dans le monde entier. C'est très important pour les proches ainsi que pour les voyageurs de comprendre les causes d'un crash et de communiquer là-dessus. Cela fait partie de notre travail. Lors de ce projet, le rôle d'Anne est de conseiller l'équipe afin d'élaborer un crash qui générera le maximum de données scientifiques. Dans sa longue carrière à étudier les lieux de crash, ce sera la première fois qu'elle assistera à un crash aérien. Nous aimerions que l'avion ne soit pas entièrement détruit. Nous ne cherchons pas un atterrissage normal. Il doit donc être plus grave que d'habitude, sans pour autant que l'avion soit pulvérisé. Si c'était le cas, nous aurions tout perdu. La responsabilité de la partie la plus dangereuse de la mission, réellement écraser l'avion, revient à une équipe d'élite d'anciens pilotes d'essai américains. Tout d'abord, ils doivent décider où l'écraser. Nous sommes en train de vérifier la zone du crash ainsi que le terrain environnant pour obtenir une idée de la façon dont on va faire arriver l'avion. Tout dépendra du terrain. On ne peut pas faire autrement que de venir le vérifier nous-mêmes parce qu'il y aura une ou deux surprises auxquelles on s'attend grâce au tableau. Mais c'est absolument nécessaire de venir faire ça en personne. Après des mois de recherche dans le monde entier, ils pensent avoir trouvé l'endroit idéal. C'est beaucoup plus grand que ça en a l'air. Un fond de lac asséché dans le nord du Mexique. Il est isolé, tout à fait plat, et le ciel constamment dégagé rend les conditions de vol idéales. Que pensez-vous de ça? C'est encore mouillé.
Si les conditions restent les mêmes, le fuselage se cognera fort. Le nez de l'avion s'enfoncera dans le sol, engendrant une décélération beaucoup plus rapide, ce qui est la cause de la mort des passagers. Anne élabore un atterrissage dur. Cela signifie que l'avion s'est écrasé de manière trop rapide, avec un choc trop grand. Dans ce genre de crash, la plupart des passagers survivent. Anne utilise ce type de crash pour confectionner son vol idéal. Nous souhaitons déterminer une vitesse de descente à laquelle les pilotes voleront et qui sera suffisante pour briser l'avion. C'est ce que nous recherchons. Nous voulons montrer un accident, mais nous ne voulons pas qu'il n'y ait aucune chance de survie. Ça ne serait pas bénéfique pour nos expériences scientifiques, ainsi que pour les données que nous espérons récupérer. Maintenant, l'équipe de pilotes doit trouver l'avion de ligne idéal pour ce crash. Mais dès le début, il n'y a qu'un seul prétendant. Le 727 était en fait le premier avion de ligne à grande vitesse. Aujourd'hui, tous les avions de ligne s'en sont inspirés dans leur conception. Nous voulions acquérir un avion semblable à ceux utilisés aujourd'hui. Le 727 a le même fuselage et le même cockpit que les 737, qui font partie des avions de ligne les plus utilisés aujourd'hui. Mise au rencard dans un hangar de l'Oklahoma, l'équipe de pilotes en trouve un pour le prix avantageux de 350 000 euros et le nomme Florence, également appelé Big Flo, en l'honneur de la grand-mère de Chip. À son âge, Big Flo ne devrait pas revoler, mais elle s'apprête à rentrer dans l'histoire de l'aviation. Il n'y a pas meilleure manière de se retirer de la scène que de continuer à faire des expériences pour le monde de l'aviation en ce qui concerne la sécurité et la survie. Alors, qu'arrive-t-il lorsque ces avions sont en bout de course, en fin de vie? Eh bien, pour moi, c'est la meilleure manière de se retirer plutôt que de rouiller lentement dans le désert. 150 mètres, virage à droite 160 degrés, 1800 mètres. Constitué de trois hommes, l'équipe de vol dans le cockpit le jour du crash aura le travail le plus risqué de tous. Ils seront dirigés par un ancien pilote de 727, Jim Bob Slocum. Les pilotes aiment tous les Boeing, c'est un magnifique engin. Oui, c'est vrai. J'y ai passé 7 ans et demi, et ça fait partie des meilleurs moments de ma vie. Jim Bob a déjà survécu à trois crashs, dont une fois en sautant en parachute. Ce qui est exactement ce qu'il aura à faire pour échapper à Big Flo. Commence maintenant. 300 mètres par minute, configuration des manettes à gaz. La pire conséquence serait ma mort. Mais on va essayer d'éviter. 16 km, 1200 mètres. Si vous tirez sur la poignée de déclenchement, ça va ouvrir mon parachute de secours et me projeter dans le cockpit. Sur la plupart des avions de ligne, sauter en parachute est pratiquement impossible, puisque cela représente un risque trop grand de se faire aspirer par les réacteurs près de la sortie. Par chance, le 727 a une particularité qui est de posséder une trappe au niveau de la queue sous les moteurs. C'est une issue représentant moins de danger pour l'équipage. Voici ma plateforme de saut. À 750 mètres, je vais juste faire deux pas et sauter comme si je plongeais dans une piscine. 1, 2, 3, go! C'est une sacrée pulsion d'air. On sera à 130 nœuds. Si j'écarte mes bras, je pourrais facilement me déboîter l'épaule. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'opportunité d'être le dernier homme à bord d'un 727 qui s'apprête à s'écraser dans la minute qui suit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce boulot. C'est très excitant. Pauvre fille. J'arrive pas à croire qu'on va lui faire ça, mais c'est ainsi. Le gouvernement mexicain leur a octroyé une licence pour volontairement écraser ce Boeing 727. L'équipe
espère répondre aux questions fondamentales que nous nous posons tous à chaque fois que l'on monte à bord d'un avion. Dans l'éventualité d'un manque d'oxygène, des masques tomberont automatiquement. Où est-ce que je devrais m'asseoir pour augmenter mes chances de survie? En cas d'atterrissage d'urgence, vous devez adopter cette position de sécurité et coller vos deux. Quelle position adopter lors d'un crash éventuel? Nous vous prions de prendre quelques instants pour situer la sortie de secours. Et pourrais-je être évacué en toute sécurité? Votre personnel de cabine répondra à toutes vos questions sur la sécurité à bord. Nous apprenons beaucoup de choses grâce à cet exercice. Certes, nous allons perdre un avion dans l'expérience, mais nous savons que c'est un avion en fin de vie. Il ne lui reste plus beaucoup de jours. Et en l'utilisant de cette manière, on peut apprendre beaucoup. Placez votre pied gauche sur la deuxième marche, votre pied droit sur la troisième, juste là. L'équipe de pilotes sautera de Big Flo en parachute seulement quelques minutes avant l'impact. Avancez de deux pas et sautez. Oh oui, juste plonger dans le vide. N'ayant personne dans le cockpit, l'équipe a besoin de trouver un moyen pour piloter Big Flo jusqu'à la zone d'impact. Elle est dirigée par ses câbles sous le sol. Tu peux le refaire ? Ils sont directement reliés aux pièces mobiles pilotant l'avion. Ça, c'est le cerveau moteur. Et ça, c'est ce qui le fait bouger. Barney Barnett travaille pour le ministère de la Défense américaine en construisant des systèmes télécommandés pour leur programme de missiles. Ça m'a l'air bien. Il n'y a pas de système similaire à celui-ci. Son design, l'électrique et tout ça. C'est moi qui l'ai conçu. Il invente un système qu'il espère capable de piloter Big Flo. Mettez en marche le système. Si vous trouvez que cela ressemble à une télécommande d'aéromodélisme, c'est parce que ça l'est. Manette à droite. La télécommande de Barney va contrôler trois manœuvres basiques. Tangage, qui fait monter ou descendre le nez de l'avion. Roulis, qui est une rotation de gauche à droite. Et l'accélérateur qui contrôle sa vitesse. Ok, est-ce que tout le monde est content? Ça fonctionne bien. Donne-moi de la vitesse, du tangage et du roulis en même temps. Surveille l'accélérateur et moi je surveille d'ici. T'es prêt? Vas-y. Lance-moi mon chapeau. C'est le capitaine de corvette, Chip Shanley, qui est aux commandes du téléguidage. Il est issu d'une famille de pilotes de chasse. Il fait partie des rares personnes à avoir piloté un avion par télécommande, mais rien de la taille de Big Flo. La télécommande portative n'a qu'une portée de 50 mètres. Ça fonctionne bien au sol, mais maintenant ils doivent la faire marcher dans les airs. Oui, on est en marche et prêt. Doc Charlie, prêt pour l'engagement. Chip et son copilote doivent suivre Big Flo dans un avion plus petit, un Cessna 337. Ce n'est pas un système de contrôle de haute fidélité. Ça va être très très lent. Il va falloir voler beaucoup pour s'habituer à la réaction de l'avion par rapport à cette petite radio. Ça ne ressemble en rien à ce qu'il a pu faire voler auparavant. Tout le monde est assis. On est prêt à y aller. Toute l'opération repose uniquement sur le succès de cette épreuve. Récepteur allumé. Et émetteur allumé. Ok, tenez-vous prêt. Ok, on y est.
Ok, pas de réponse. Vérification de l'émetteur allumé. Oui, on ne doit pas être assez près. On décroche avant que je puisse me rapprocher. On a une portée très limitée, donc on doit être très très près afin de maintenir notre contrôle. S'il s'éloigne trop, la télécommande ne pourra plus contrôler l'avion. Oui, on fait de notre mieux ici. On en est à 257 km/h, mais on s'écarte quand même. Big Flo est trop rapide pour le Cessna. Le 337 lutte pour le suivre et la télécommande est hors de portée. On va ralentir juste un petit peu pour être entre 200 et 209 km/h. Si Big Flo ralentit encore plus, elle décrochera et tombera du ciel. Jim Bob est obligé de faire des zigzags à Big Flo afin de la ralentir et la remettre à une distance de 50 mètres du Cessna. On a réduit la distance de moitié, on recommence. Émetteur allumé. Point mort, interrupteur allumé. On y va. On peut virer à droite. Ok, voilà, léger virage à droite. Virage. Okay. Ok, voilà le virage à gauche. We're engaged. On est dedans. Le mec nous pilote avec une petite télécommande d'un magasin de modélisme. Je suis ravi de l'avancée des choses. Voilà l'accélération. Parfait. On monte le nez. On se sépare et on reprend le dessus pour un certain temps. Oui, monsieur, reprenez le dessus et pilotez cette bête puissante. L'essai de la télécommande se révèle être un succès incroyable. Mais le Cessna est trop lent. L'équipe va devoir le remplacer avec quelque chose de plus rapide. C'est difficile de suivre cet avion, il n'est pas assez rapide. Une fois qu'on l'a rattrapé, ça allait. C'est juste compliqué de maintenir la vitesse. Et on n'y arrivait pas. C'était un très bon plan. Seulement, on avait besoin de plus de puissance. Mais on n'a pas réussi. On n'y est pas arrivé. Le plan est en train de se réaliser. Big Flo va décoller de l'aéroport de Mexicali. Elle montera jusqu'à 1800 mètres et gardera une vitesse de 250 km/h. Dans le petit avion, Chip dirigera la télécommande et devra rester dans les 50 mètres de Big Flo. Quand Big Flo sera à 30 minutes de la zone d'impact, le mécanicien et le copilote sauteront en parachute, laissant Jim Bob seul aux commandes. Il descendra ensuite à 900 mètres. À ce moment-là, il transmettra les commandes à Chip dans l'autre avion, qui la dirigera à distance jusqu'à la zone d'impact. Jim Bob sautera ensuite en parachute, laissant Big Flo seul pendant les trois dernières minutes de son vol. Au dernier moment, Chip va augmenter sa vitesse de descente. Une vitesse de descente normale est de 180 mètres par minute, mais Chip vise 600 mètres par minute. Il doit évaluer parfaitement la vitesse de descente puisqu'une vitesse trop lente ne ferait qu'un atterrissage musclé et une vitesse trop rapide pourrait pulvériser l'avion, détruisant tout à bord. Les derniers préparatifs sont en cours pour le crash de demain. Le gouvernement mexicain insiste pour que son armée, sa police et ses pompiers soient présents est prêt à intervenir. 5 minutes. Vérification du rapport de situation avec Delta Sierra et Romeo Hotel. 5 minutes. Une équipe d'anciens militaires et deux policiers arrive de Grande-Bretagne sous les ordres du commandant David Jones. Ce vent est-il normal pour ce type d'endroit? Oui, c'est normal. Anthony, c'est un vent assez fort pour sauter, non? Oui. Ça va être compliqué. Entre ce moment et l'impact, ils sont responsables de la sécurité de toutes les personnes au sol. Le moindre risque mortel mettrait un terme à l'opération. Il y aurait un crash s'il arrive, monte et descend. Ça, c'est une première option.
La deuxième option serait qu'il arrive, tourne, se prenne le vent et tourne sur lui-même. Dans la première option, il y aurait probablement un petit incendie. On peut agir immédiatement. Dans la deuxième option, il ferait des tonneaux et les projectiles ressembleraient à des boules de feu. La plus grande crainte de David Jones est que le 727 sans équipage perde tout contrôle au-dessus d'une zone peuplée. Cette trajectoire de vol voudrait dire qu'une fois que les pilotes sont partis, si Big Flo vole vers le nord, elle ne passera pas à travers une chaîne de montagnes. Il a demandé à l'armée de fermer toutes les routes d'accès. Sa deuxième crainte concerne l'équipe près de la zone du crash. Il a donc demandé une zone d'exclusion de 5 km autour de la piste. Il risque d'atterrir un peu avant ou un peu plus loin. S'il atterrit un peu plus loin, ça ne pose aucun problème. Mais s'il atterrit un peu avant et qu'on se trouve là, les débris peuvent voler jusqu'à nous. Donc on devrait aller là-bas. Tu vois le virage ? Je pense que ça devrait être au sud de la zone d'impact prévue. Donc plus en ligne droite entre ici et cette chaîne de montagnes. Pour s'assurer qu'ils peuvent aller aussi vite que le 727, l'équipe passe au plan B. Voici la Marchetti SF-260, surnommée la Ferrari du ciel. Cet avion est très sexy. Il est à turbopropulseur, c'est-à-dire que c'est une combinaison d'un réacteur et d'une hélice. Donc sa performance permet de réussir à suivre la vitesse du 727. C'est agréable à regarder et très amusant à piloter. Ces scientifiques ont travaillé toute leur vie pour améliorer la sécurité des vols. Ils peuvent désormais transformer Big Flo en laboratoire volant. Il peut arriver que les sacs soient trop lourds lors d'un accident. Alors les compartiments de rangement risquent de s'effondrer et tomber sur votre tête si vous êtes assis en dessous. Donc on essaie de mettre des sacs très lourds dans les compartiments et voir ce qu'il se passera. Voici les passagers exclusifs de Big Flo, des mannequins de simulation d'impact. Chacun coûte près de 120 000 euros. On le met en position de sécurité et on incline le siège. Sous leur peau synthétique se trouvent 32 différents capteurs de données. C'est à eux que revient la vieille question de savoir s'il est plus sûr de se mettre en position de sécurité ou non. Je t'envoie le câble, ok? De la tête à la queue, l'équipe va mesurer les forces gravitationnelles qui frappent Big Flo et ses passagers. Pendant le crash, il y a une sorte de force invisible qui touche tous les passagers à bord. Et nous devons trouver un moyen de comprendre et mesurer ce qu'elle représente réellement. La technique qu'on utilise pour ça est un accéléromètre. Elle mesure les forces allant en avant, de gauche à droite et de bas en haut. Le fuselage est divisé en trois zones d'impact d'essai. Des accéléromètres sont installés en première classe à côté du cockpit, au milieu de l'avion au-dessus des ailes et à côté des moteurs vers la queue. Ils révéleront dans quelle partie de l'avion les passagers ont subi la plus grande force d'écrasement. On met de la peinture sur ces mannequins, ça va nous donner les différents points de contact avec la surface de l'avion. Donc si ce mannequin vole en avant et heurte quelque chose, nous pourrons voir où il s'est cogné. Anne s'attend à ce que le crash catapulte quelques-uns des sièges en dehors de l'avion. Elle veut savoir quel siège atterrira à l'extérieur. Les sièges sont numérotés sur la cabine juste au-dessus. Mais il n'y a pas de numéro sur les sièges. Donc, s'ils se détachent de la structure, on n'a aucun moyen de savoir à quel rang était le siège en question. Les câbles sont un problème à l'heure actuelle aussi. Des caméras filmant au ralenti sont installées dans l'avion. Celle-ci, centrée sur les deux mannequins de simulation d'impact, va filmer pour la première fois comment le corps humain réagit lors d'un accident d'avion. Nous avons l'opportunité de rassembler le plus d'informations possible. Et ce, à travers ces caméras, ce qui est entièrement unique.
On a la chance de voir réellement l'impact grâce à une vidéo de haute qualité. Big Flo est désormais prête à voler dans l'histoire. Auparavant, la NASA n'avait fait qu'une tentative d'expérience de cette ampleur. Les préparations ont duré 4 ans et ont coûté l'équivalent de 18 millions d'euros. Bien qu'ayant répété plus de 60 fois, la NASA a perdu tout contrôle sur son avion lors de l'approche finale. Lorsqu'ils se sont écrasés, au lieu d'avoir détaché les ailes entre le moteur et le fuselage, ils ont coupé en deux le moteur. En faisant cela, le moteur a pris feu. L'incendie a pris une ampleur bien plus grande que ce à quoi ils s'attendaient. Le feu qui est la terreur première ou le premier risque d'un crash d'avion. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de carburant qui soit ininflammable. D'ailleurs, la NASA, il y a quelques années, a fait des crash tests pour voir l'inflammabilité du carburant. Ça a été raté, et ça s'est embrasé complètement. Mais c'était aussi pour étudier les matériaux à l'intérieur de l'avion, pour savoir si ça dégage pas trop de fumée, comme ça s'est produit malheureusement sur un autre accident où tout le monde a été asphyxié. Avec 9500 litres de carburant dans les réservoirs sous les ailes de Big Flo, l'équipe doit descendre l'avion à un niveau précis pour éviter ce qui s'est passé avec la NASA. Demain, nous allons marquer l'histoire avec un Boeing 727, l'avion télécommandé le plus grand au monde. Grâce à Barney, on va établir un record à la seconde où Jim Bob quitte l'avion. Le plus grand avion télécommandé, du jamais vu. Aujourd'hui est l'aboutissement de 4 années de préparation. Mais sur le site du crash, une tempête de sable s'est déclenchée depuis l'aube. Ce matin, on a reçu un message disant que toutes les tentes ont été emportées sauf celle-là. Donc je suis content de voir que ça n'a pas été entièrement détruit. Le vent est très fort et ça va empirer. Les vents déchaînés présentent un danger mortel pour les pilotes qui doivent sauter en parachute de Big Flo. Ok, je vous informe que l'on vient de mesurer le vent à hauteur de 15 mètres. 1,5. La vitesse du vent est actuellement de 52 km/h, avec des rafales à 60. Donc hauteur de 15 mètres, 1,5, rafale de 60 km/h. Donc forcément beaucoup trop rapide pour le saut. L'équipage est averti de la tempête. Le vent s'est levé et il se fait tard. Notre emploi du temps se resserre, donc on va devoir annuler pour aujourd'hui. La vitesse du vent représente un danger de mort. Pour le projet, cela pourrait être catastrophique. Il ne reste plus qu'un jour avant que le permis de l'équipage pour écraser Big Flo ne soit périmé. Il y a beaucoup de rafales ici. Avec un peu de chance, ça va se calmer, mais pour l'instant, c'est compliqué. Le lendemain, par chance, le vent est complètement retombé. La tension monte, on prépare tous les avions et il fait un temps magnifique. Donc je pense que c'est un bon jour pour le faire. Je suis juste ravi de le faire. Ça devrait être amusant. Tour de Mexicali, Mike November, papa, démarrage des moteurs. Fais attention à ta tête. On y va.
Le départ de Big Flo est dans 10 minutes. Pouvez-vous le transmettre aux pompiers locaux? À vous. Dave Jones, bien reçu. Je répète, tous les pompiers sont en position à 1,6 km. Regarde-moi ça, ça c'est ce qu'on appelle des jumelles. Tout le monde est à son poste, les derniers réglages effectués. Mais pourtant ce jour-là, tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Coupez le carburant. Vous avez eu des problèmes de carburant hier? Non. Pouvez-vous dire à Big Flo que l'équipe Marchetti est en train de vérifier son moteur? Il n'a pas fonctionné. Big Flo? J'écoute. Marchetti est en train de vérifier son moteur. Il y a un problème avec le joint de la pompe à carburant. C'est cassé? Malheureusement, il n'y a rien à faire. Hein. C'est en train de se vider. Et il n'y a pas d'autre pompe à carburant. Donc la pompe à carburant est cassée? Ouais, c'est cassé. C'est fini pour Marchetti concernant le crash. Juste aller là-bas et tirez-vous d'ici. Notre bouchon de carburant est cassé. C'est une question de sécurité. On se retrouve simplement sans Marchetti, malheureusement. Et le plan B? Le plan B, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va voler avec le 337 Skymaster que Chip et moi avons piloté. Lors des anciens essais, le Cessna 337 était trop lent pour suivre Big Flo. Ok, hombre, c'est que toi et moi maintenant. Tour de Mexicali, X-Ray, bravo, Mike, November, papa de taxi. Dès que Skymaster est prêt pour le décollage. Rappelle-moi de garder cette antenne haute. Merci. Ok, prêt pour rouler sur la piste, en position. Attendez qu'on vous dise qu'on est prêt. Big Flo se déplace sur la piste. Big Flo se déplace sur la piste. C'est la toute première fois que je sais qu'un avion ne reviendra pas. D'habitude, quand je suis sur ma fréquence, je dis au pilote « bon vol ». Mais là, je ne vais pas le dire. Je vais juste dire « bye bye ». Je pense que je vais être très triste. On y est, ça indique 265 km/h. Oui, 265 km/h. À peu près 142 nœuds. Avec un peu de chance, on peut s'accrocher. La vitesse d'approche du 727 est à peu près celle de la vitesse maximale du 337. Ils peuvent avoir 16 km d'avance, donc ce que tu peux faire, si tu es en retard, c'est de piquer du nez, prendre de la vitesse et reprendre ta position. On doit rester à l'intérieur pour le virage. Ils peuvent utiliser le rayon du virage et rester à l'intérieur pour le rattraper. Ils sont du mauvais côté. Prépare-toi à récupérer. Je viens de ton côté, tu l'as? Coming to your side now. Got him? Non. Oui. Malheureusement,
annuler tout dégât thermique. Parce que ça nous aspirerait 5 nœuds d'un coup. Et là, on est foutu. Compris. Big Flow se maintient à 220 km/h. Un peu trop rapide pour le 337, un peu trop rapide. Une fois que les parachutistes sont sautés, ils peuvent ralentir, descendre de 5 nœuds, donc ils peuvent ralentir après. Chip, t'en penses quoi? Faisable. L'exactitude va en prendre un coup, mais on va faire de notre mieux. Ok, vous êtes prêts? On est prêts. Les deux avions se dirigent vers un point de rencontre pour un saut en tandem, altitude 1800 mètres. À vous. 5 minutes avant les sauts en tandem. 5 minutes avant les sauts. Bon voyage, à plus tard. Seconde. Sortez, sortez, sortez. Allez, allez, allez. Deux parachutistes ont sauté, je répète, deux parachutistes ont sauté. Confirmé, deux parachutistes ont sauté. Excellent. Deux bons parachutes. Jim Bob, les deux tandems ont atterri en sécurité. Jim Bob. C'est toi et moi contre le monde entier. Quelle est votre vitesse? Vitesse 200 km/h. Ils s'éloignent encore de nous, je suis au maximum. Vous vous éloignez de nous. La vitesse de vol n'a pas changé. C'est bon, on lâche un peu, pique un peu du nez et on va les rattraper. J'informe l'équipe de rétablissement que Scott et moi allons sortir ensemble à 750 mètres. J'enclenche le virage d'approche finale. Ok, voilà l'émetteur. Là, c'est la phase la plus critique de tout l'événement. Bon enclenchement. Ça te va? Un peu plus et c'est bon. That's good. L'avion est maintenant télécommandé. 20 km. 1,5 km de trajectoire. Plus besoin de ceinture de sécurité. Plus ou moins. 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 17 km. 1,3 km trajectoire. C'est incroyable. Je ne vais pas vous mentir, on attend ce moment depuis bien trop longtemps. 14 km, 1000 mètres d'altitude. On va quitter le cockpit. Bonne chance. Jim Bob a quitté son siège. Les parachutistes ont sauté.
Les parachutistes ont sauté. Deux bons parachutes. Bravo. Les deux parachutistes sont au sol et ont l'air d'être en sécurité à vous. Ok mec, tout dépend de toi et moi. Accroche-toi. Pas de soucis, on a juste quelques dégâts thermiques. Ok, je vois. Six kilomètres avant impact. 6 kilomètres. 366 mètres et un peu haut. Là, c'est le moment critique. C'est là qu'il essaie de tirer dans le mille, donc il fait ses derniers ajustements. Trois kilomètres. 243 mètres. On arrive, on ralentit. Ça y est. 1,6 km. 121 mètres. Adios, Big Flo. Adios, Big Flo, adios. Largage. Wow, on est un peu court. Voilà l'impact. Bien reçu. J'ai l'impression que l'avion s'est cassé en trois morceaux. C'est la chose la plus spectaculaire que j'ai vue toute ma vie. On est un peu en arrière. Ouais. Merde, on aurait dû avoir la Marchetti. Ouais. Les pompiers se dirigent vers l'impact. Il est possible que l'avant du fuselage ait pris feu. Ce serait bien d'aller vérifier ça. Des fumées sortent des moteurs. Il est trop dangereux pour l'équipe de s'approcher des débris. L'équipe de sauvetage déploie un drone pour voir de plus près. D'après le drone, il n'y a pas de feu. Néanmoins, les moteurs tournent toujours. Regarde-moi ça, les moteurs tournent toujours. Bien reçu.
Si une ligne de carburant s'est rompue, cela pourrait déclencher le feu à l'avion, mettant en péril toutes les données à bord. Il reste des centaines de litres de carburant, donc David Jones préfère ne pas prendre de risques. Ils vont mettre de l'eau dans le moteur parce qu'il tourne encore. Oui, celui que vous voyez là-bas. Alors ce moteur tourne encore à 100%. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut continuer à tourner comme ça sans qu'il se passe quoi que ce soit pendant 8 heures. La mauvaise nouvelle, c'est que les lignes de carburant pourraient rompre. Pour être sûr, on va arroser le moteur, ce qui le ralentira et l'arrêtera. Le but, c'est de l'arrêter sans mettre le feu pour essayer de conserver le fuselage. Robin, c'est Roger, depuis le lieu du crash. Les moteurs sont arrêtés. Ils mettent un minimum d'eau sur l'aile. À vous. Le gouvernement mexicain souhaite que les analyses commencent dès à présent. Ok, on va aller vérifier ça. L'équipe scientifique a hâte de s'y mettre. Anne, l'enquêtrice des crashs aériens, est la première à bord. Cette zone de la cabine a l'air relativement intacte. Concernant la structure, il semble qu'aucun des compartiments de rangement au-dessus des sièges ne se soit écroulé. La seule chose qui soit tombée est cette bordure. Donc ça ressemble à du désordre, mais tout a l'air plutôt en bonne forme. Bienvenue dans la soute. Tom, l'expert en force d'impact, vérifie la coque qui a pris toute la force de l'impact. Si la soute avait été remplie, il y aurait eu assez de déformations pour que les sacs aient été poussés et qu'ils aient traversé le sol de l'avion. Pendant ce temps, la biomécanicienne Cindy se dirige directement vers ses passagers de haute technologie. Nos mannequins sont vraiment sur le côté. On a des taches de peinture sur la table. C'est ce qui fait l'efficacité de cette peinture. Ça nous indique exactement sur quoi se sont cognés les mannequins. Si vous regardez en bas, vous pouvez voir l'angle du pied. Il est collé contre le repose-pied. Je pense qu'on est en présence d'une cheville cassée, mais on verra ça avec des données. Donc ça, c'est notre mannequin qui n'était pas en position de sécurité. Évidemment, il s'est cogné très fort contre la table. Donc je pense qu'il y aura une commotion cérébrale et celui-là, sûrement, une jambe cassée. Lequel est mieux ? Ça dépend. S'il n'y a pas le feu, une jambe cassée, c'est rien du tout. Mais s'il y a le feu, avoir une jambe cassée, c'est un vrai problème. Celui-là, on ne l'a pas attaché parce qu'on voulait voir ce que ça faisait en comparant un mannequin attaché et un autre pas attaché. Et là, il a fait ce qu'on appelle le sous-marin, c'est-à-dire quand son corps glisse sous le siège, ce qui est typique d'une personne non attachée. Il y a un sac là, c'est le sac numéro 2. Oui. Les compartiments au-dessus des sièges, même en contenant des sacs, ne se sont pas ouverts. Ce qui est une bonne nouvelle pour les passagers. Le 26 était lourd, le 18, léger. Pour les passagers qui survivent à ce genre d'impact, le prochain défi sérieux est de sortir de l'avion. Attention au coude. Si un passager est assommé, les autres devront l'aider à s'en sortir. Ce mannequin est de taille normale, mais imaginez, si vous êtes un peu plus gros, c'est très difficile de s'en sortir. De plus, avec le stress, certains passagers peuvent avoir des réactions complètement irrationnelles. Il faut imaginer quand même qu'on est dans un espace confiné, une carlingue qui vient d'entrer en contact avec la terre. Il y a des dégagements de fumée, on n'y voit strictement rien, des effets de panique, des gens qui sont pris par une réaction qu'on appelle la tunnelisation, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer sur quelque chose. Par exemple, ils vont remonter à contre-courant de tout le monde qui est en train d'évacuer pour aller chercher un bagage. Et tous les gens qui ont connu des crashs, à qui on en parle, disent que c'est vrai que ça relève un peu de... C'est un peu quelque part une sorte de roue de la fortune. On ne sait pas très bien pourquoi on est sauvé, on ne sait pas très bien pourquoi on meurt. L'horreur de s'échapper d'un avion écrasé n'est connue que par peu de personnes. Il y avait un petit peu de panique, incontestablement. Mais moi, je suis sorti pratiquement le premier.
Donc je n'ai plus vu ce qui se passait à l'intérieur de l'avion. J'ai toujours vu encore les gens qui sortaient, qui glissaient sur les toboggans. À l'arrière, je n'ai pas vu parce qu'il y avait du feu. Donc, mais à l'arrière, les gens étaient un petit peu... Ils avaient moins de chance parce que les toboggans avaient crevé. Hein, ils avaient été percés, les gens, donc ils avaient crevé. Et les gens, à ce moment-là, ils sautaient pratiquement de plus d'un mètre. Et puis, c'est là qu'il y a eu quelques blessés, des foulures, même quelques fractures. On roulait toujours sur la piste d'atterrissage avec les freins à fond, en sachant que de la fumée sortait déjà de l'arrière de la cabine. Et pourtant, on n'était toujours pas arrêté. On ne pouvait toujours pas sortir. Les portes n'étaient toujours pas ouvertes. Et c'est là que la pression a commencé à monter. En 1 minute 30, cet avion était devenu un piège mortel. 131 passagers ont lutté pour évacuer par les 6 sorties de secours. 54 ont péri. Cette fumée noire et acre. Une inspiration de ça et vous vous effondrez. Deux inspirations et vous mourrez. Le désastre de Manchester a donné lieu à des améliorations de sécurité. L'agencement des sièges près des sorties, qui avait le droit de s'y asseoir et combien de places il devait y avoir devant ses rangs. Tout cela a été modifié en conséquence de cet accident. Notre crash dévoile d'autres risques inattendus. Une des choses les plus importantes que j'ai appris grâce à notre crash, c'est que lorsque l'on regarde les évacuations, les câbles et les panneaux, même s'ils sont légers, ils empêchent de manière importante aux passagers de sortir de l'avion. C'est un gros problème au niveau de l'évacuation. Et cette information est importante car elle pourrait informer les fabricants qu'il faut modifier l'aménagement des avions. Anne traverse le champ de débris comme elle l'a fait un nombre incalculable de fois auparavant, afin de mesurer la distance que l'avion en morceaux a parcourue. Elle découvre que le siège 7A a été catapulté à 153 mètres de la zone d'impact. Tout ce qu'il nous reste, ce sont deux dossiers de siège. Je pense qu'il est clair que les passagers assis à ces deux endroits n'auraient pas pu survivre. Cela fait partie des responsabilités d'Anne d'expliquer aux familles ce qui a tué leurs proches. Ici, c'est comme si on était sur un champ de bataille. Si c'était un vrai crash avec des personnes à bord, il y aurait encore les corps des personnes mortes. Je pense que quand les familles viennent sur le site, elles veulent des réponses. Parfois, c'est pour faire le deuil, voir l'endroit où leur proche est mort et essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas, je suis mitigé. On a fait tellement d'efforts pour faire s'écraser cet avion au sol, et là, ça nous fait penser que si c'était un vrai accident, si des personnes étaient réellement dans ces sièges, ils seraient morts. Regardez-moi ce cockpit. Le cockpit a été entièrement séparé du reste de l'avion. C'est un peu bizarre, hein, sachant que c'est là où je suis assis d'habitude. Et là, je me rends compte de ce qui pourrait m'arriver. Car c'est là où je travaille et je fais de mon mieux pour qu'on ne s'écrase jamais. Alors bien sûr, là, on voit que le devant de l'avion prend plus de dégâts que l'arrière. Mais bon, ça va. J'essaie de vivre avec. La boîte noire a l'air intacte. Donc je vais la débrancher et l'envoyer pour être lue. Avec un peu de chance, ça nous donnera les périmètres de notre crash. Une fois qu'Anne récupère les données de la boîte noire, que Cindy analyse les mannequins de simulation d'impact,
et que Tom examine l'impact milliseconde par milliseconde, l'équipe va finalement pouvoir être capable de révéler ce qu'il se passe à l'intérieur d'un avion quand il s'écrase. Ok, donc ça a du sens puisque j'en ai 1, 2, 3 après l'impact initial, c'est ça? C'est ça. Donc on a l'impact et puis on a 1, 2, 3. Après avoir crashé volontairement le Boeing 727, l'équipe va maintenant transformer les résultats de l'expérience en leçons qui pourraient un jour sauver des vies. Je pense que ça, c'est la roue qui traverse le sable et ça, c'est l'engrenage principal qui s'enfonce dans le sol. C'était fantastique d'avoir vu ce crash. On a tout vu depuis le début, et puis tout s'est déployé de manière réaliste. On ne voit jamais ce genre de choses dans un labo. Des caméras à grande vitesse, ainsi que des enregistrements de données à travers le fuselage, leur ont permis de réaliser une simulation informatique de crash inédite. On avait deux mannequins en position de sécurité et un mannequin qui ne l'était pas. C'était une opportunité incroyable de pouvoir comparer les deux et nous permettre de décider quelle position il faut adopter lors d'un crash. La biomécanicienne Cindy veut savoir si la position de sécurité avec les mains sur la tête est la meilleure pour minimiser les blessures ou la mort. Les témoignages des survivants sont peu concluants. Ça va tellement vite. 5-6 secondes, on n'a pas le temps vraiment de réfléchir. Alors, les gens qui vous disent que quand la mort arrive, on vous voit toute la vie qui défile. Non, moi, je n'ai rien vu défiler, si ce n'est les arbres à travers les hublots. Bon, évidemment, ce qu'on fait, on se recroqueville un petit peu sur soi-même, mais sans vraiment penser aux positions que vous a indiquées l'hôtesse lors du début du vol. Je me rappelle qu'à l'époque, la position de sécurité était qu'on devait tendre nos jambes devant nous. J'ai pensé que comme j'étais à l'avant de l'avion, mes jambes allaient toucher le sol en premier. Donc je me suis dit que je n'allais pas faire ça. J'ai mis mes pieds sous mon siège, ce qui est la position de sécurité actuelle. Étant assis dans la même position de sécurité que nos deux mannequins, Nick Stevenson s'en est sorti vivant. J'imagine que la position de sécurité avant l'impact est importante. Mais je ne peux pas vous le dire d'après mon expérience. On ne nous a donné aucune instruction. Susan Lord n'était pas en position de sécurité et était toute droite lorsque son avion s'est écrasé. La vidéo au ralenti de Cindy révèle pour la première fois exactement ce qu'il se passe avec le corps humain lors d'un impact. Donc, nous avons notre mannequin en position de sécurité à l'avant et notre mannequin qui ne l'est pas derrière lui. Regardez ses jambes, il y a du poids sur ses tibias. Du coup, le poids de la personne ne permet pas à la jambe de se relever. Le poids pousse les pieds sous le siège en frappant le repose-pied. Je ne sais pas si ça casserait la cheville, mais c'est sûr que cette personne aurait du mal à marcher immédiatement. Ça lui ferait mal. Mais avec l'adrénaline, il pourrait sûrement courir. Mais si c'était plus grave, il se serait cassé la cheville et n'aurait pas été capable de sortir de l'avion. Quand je me suis levé lors de l'accident, le siège s'est levé avec moi. Je me suis rendu compte que j'étais encore attaché. Quand je me suis relevé, dès que je mettais mon poids sur ma jambe gauche, j'avais une douleur incroyable. J'ai vérifié et mon pied était à l'envers. Je me suis rendu compte qu'il était cassé. Est-ce que le mannequin qui n'était pas en position de sécurité s'en est mieux sorti ? Si on regarde de plus près, au niveau des lombaires et des hanches, il y a des inflammations qui leur causeraient beaucoup de douleurs et qui les empêcheraient de marcher.
Donc, c'est très embêtant. Un autre danger serait les débris volants qui pourraient les heurter et provoquer des blessures très sérieuses. C'est un gros risque pour les personnes qui ne sont pas en position de sécurité. Les deux mannequins sont blessés, mais l'argument décisif concerne ce qui arrive à leur tête. Le mannequin en position de sécurité avance de quelques centimètres seulement. Mais l'autre accélère rapidement et frappe l'arrière du siège, ce qui peut donner lieu à des blessures graves du crâne. On ne nous a donné aucune instruction. Donc on s'est tous cognés contre les sièges de devant. Je voyais trouble. Je pensais avoir perdu mon œil tellement il était gonflé. En fait, je m'étais juste cogné. Les professionnels de l'aéronautique cherchent toujours à tirer des enseignements des accidents et des blessures qu'ils provoquent. Pierre Essette est un ancien pilote qui a participé à plusieurs enquêtes sur des crashs. Les résultats de ces enquêtes permettent aux constructeurs d'améliorer les équipements et renforcer la sécurité à bord. Ce qui est très intéressant, c'est quand on voit les caméras embarquées en cabine et quand on voit les mouvements des mannequins, et là on voit des choses très intéressantes qui arriveront dans tous les crashs. Ça, c'est absolument évident. Donc vous voyez que le mouvement automatique de tous les passagers qui n'ont qu'une ceinture, ça va être évidemment d'avoir un geste vers l'avant et même de taper assez fort du front sur le siège qu'il y a devant. Donc tous les sièges maintenant de passagers sont évidemment rabattables. Il n'y a plus aucun siège fixe, justement, pour ne pas blesser le passager. Il y a très peu d'accidents en avion, statistiquement, par rapport à la mobylette aux deux roues dans une ville ou même en voiture. Il y a très, très peu d'accidents, mais on essaye d'apprendre au maximum. Ce que je recommande, d'après tout ce que nous avons vu, c'est de se mettre en position de sécurité. C'est la position la plus sûre, vous protégez votre tête, vous êtes moins vulnérable. Et c'est ce que je ferais si j'étais dans un avion qui s'écrase. Les données de la boîte noire d'Anne sont prêtes. Elle peut maintenant déterminer la force de l'impact de Big Flo sur le sol du désert. Nous savons qu'un taux de descente normal est de moins de 182 mètres par minute. Ici, le taux que nous avons eu était de 457 mètres par minute. Assez de force pour casser le fuselage et détacher le train d'atterrissage et les ailes. Le train d'atterrissage de la droite a percuté la cabine des passagers à 225 km/h. On peut voir sur le côté du fuselage que le caoutchouc a laissé une trace sur la peinture. Anne utilise une des caméras à bord de Big Flo pour regarder cet événement image par image. Donc je regarde l'aile de droite depuis une des fenêtres de la cabine. Là, il y a impact, donc on peut voir une déformation. On voit le volet être poussé vers le haut. Et les roues sont poussées vers le haut, à côté de la fenêtre. Si j'étais le passager assis là, j'aurais eu vraiment peur. Bien que ce soit terrifiant pour ceux assis à côté, la bonne nouvelle est que le train d'atterrissage a agi exactement comme il le voulait. Lors d'un crash, le train d'atterrissage est censé se détacher pour ne pas rentrer dans les réservoirs de carburant dans les ailes et causer une explosion. Le train d'atterrissage du nez est conçu différemment et n'est pas censé se détacher. L'avion pique un peu du nez. Cela veut dire que le train d'atterrissage avant touche le sol le premier.
Mais il n'est pas conçu pour ce genre de situation. Ce qu'il se passe ensuite, c'est que le train d'atterrissage avant heurte le dessous du fuselage. Le cockpit se plie en arrière, heurte l'aile de gauche et est projeté en arrière, alors que le reste du fuselage continue à avancer. Tous les avions modernes sont conçus ainsi. Mais s'ils avaient été élaborés pour ne pas se détacher, l'équipage aurait-il survécu ? L'avion en entier ? Probablement 11 secondes. Le travail de Tom est de voir comment les forces de l'impact ont touché les passagers lors du crash. Donc ce que j'ai trouvé, c'est qu'évidemment, l'avant avait plus d'accélération et plus de force. Grâce aux données, on peut mesurer le temps que mettent les forces du crash pour se propager de l'avant à l'arrière. C'est intéressant de voir cela. L'impact initial a créé des forces incroyables qui ont détruit le nez de l'avion et qui auraient sûrement tué l'équipage. Ces forces ont touché les passagers de deux manières, par l'avant et par en bas. Dans la zone de devant, les forces de l'impact sont montées jusqu'à 12G. 12 fois la force de la gravité. Les passagers à cet endroit auraient sûrement péri. Ces forces mettent un millième de seconde pour atteindre le milieu. Ici, elles atteignent 8G. Les passagers de cette zone auraient survécu avec des blessures mineures. Un millième de seconde après, les forces atteignent le fond de l'avion à 6G. La moitié des forces de l'avant, c'est semblable à la force d'une auto-tamponneuse. L'absorption du choc est une donnée fondamentale qui est prise en compte lors de la conception même de la carlingue de l'avion. Il y a un facteur amortissement de la structure de l'avion qui va être très important, parce que la structure de l'avion va absorber. Donc, c'est pour ça qu'on a des... Quand vous regardez de temps en temps par un hublot, vous voyez les ailes qui bougent un peu et vous dites « Oh là là, est-ce que c'est bien ?» Non, eh bien, c'est un peu comme le chêne et le roseau, c'est-à-dire que l'aile qui bouge est beaucoup plus solide que l'aile qui serait fixe et beaucoup plus résistante. Eh bien, c'est un peu pareil pour les fuselages. Donc on a dans les matériaux maintenant qui sortent, on a des matériaux qui amortissent, qui sont un peu plus souples, qui permettent d'amortir le choc. Donc même s'il y a 3-4G, mettons si un avion se pose avec 4G, le G ressenti sera vers 2-2,5 par le passager. On sait désormais que les passagers jusqu'au rang 7 n'auraient pas survécu. Je pense qu'il y aurait eu des morts dans cette zone. Les passagers à partir du 8e rang auraient probablement été blessés. Il y avait beaucoup de débris. En revanche, les passagers du fond auraient eu plus de chances de survivre, peut-être même sans blessure. Ils auraient sans doute été capables de sortir de l'avion par eux-mêmes. Notre expérience a reproduit le type de crash le plus fréquent, mais aucun crash ne se ressemble. Être assis à l'avant n'est pas systématiquement plus dangereux. Je me dis que finalement, j'ai bien fait de rester devant. Bien que souvent, dans d'autres crashs, c'est le nez qui prend le premier. Les victimes de l'accident de Apsheim sont mortes dans l'incendie qui a suivi le crash, mais le choc en lui-même n'a tué personne. Jean-Marie Schreiber a pu évacuer à temps. Il en est sorti indemne. Moi, j'étais au premier rang. J'avais une hôtesse à côté de moi. Je l'ai fait sortir et j'ai suivi après. La chance d'être au premier rang, c'est-à-dire à côté de la première porte, à l'avant. Bon, on est sorti... à peu près normalement. En 1989, lors du désastre de Kegworth, Nick Stevenson était lui aussi au premier rang. La queue de son avion, et non pas le nez, a touché le sol en premier. Je ne me souviens pas de l'impact. Je me suis évanoui directement à cause de l'onde de choc. On a touché le sol et je suis tombé dans les pommes. Quand je suis revenu à moi, tout ce que je me rappelle, c'est avoir vu ce trou sur le côté de l'avion. Et je me suis dit, je vais sortir. Il y a toujours, dans chaque crash, une part d'incertitude. On cite souvent la loi générale qui consiste à se mettre à l'arrière de l'appareil. Et c'est vrai que dans
Pas mal de crashs, les survivants étaient situés à l'arrière de l'appareil, mais ça ne fonctionne pas toujours. Dans d'autres crashs, on verra que c'était les gens qui étaient aux premières places qui ont pu s'en sortir, parce que, par exemple, il y avait une seule issue ouverte, il y avait un dégagement de fumée, l'avion a pris feu. Donc, c'est difficile de tirer une loi générale de ce genre d'expérience qui, néanmoins, nous amène de l'information. Aucun constructeur d'avion n'a écrasé son avion de cette manière auparavant. Cette expérience a été menée par des scientifiques spécialisés dans l'amélioration de la sécurité des passagers et réalisée par une équipe de pilotes prêts à risquer leur vie pour apporter des améliorations potentielles dans l'élaboration d'un avion. Les nouvelles sont bonnes pour les fabricants. Les deux trains d'atterrissage sous les ailes se sont détachés comme ils le devaient. Les ailes sont restées attachées et la plus grande partie de l'avion est restée intacte. Mais il faut tirer des leçons au niveau de l'aménagement des avions, puisque l'abondance des câbles peut empêcher l'évacuation des passagers. La conception des trains d'atterrissage de cockpit qui se détachent aurait-elle pu sauver l'équipage? Quoi qu'il en soit, Big Flo a protégé la plupart de ses passagers. Qui aurait survécu? Qui serait mort? Qui aurait été blessé? Quelles seraient les décisions déterminantes que nous aurions prises en tant que passagers? Mieux vaut ne pas s'asseoir en première classe. Ne pas s'attacher nous aurait conduit à glisser sous le siège de devant. Décider d'adopter la position de sécurité ou non aurait fait la différence entre une cheville ou une nuque cassée. Dans un crash comme celui-ci, selon une estimation, près de 3/4 des passagers auraient pu s'en sortir vivants. Mais cette expérience soulève aussi de nouvelles questions. Comment éviter qu'une telle catastrophe puisse se produire? Les avions sont-ils sûrs et les pilotes suffisamment entraînés? Nous avons voulu savoir où nous en sommes aujourd'hui avec ces procédures de sécurité aérienne qui doivent nous protéger en tant que passagers. En France, de nombreuses règles de sécurité sont appliquées au quotidien et pourtant, plusieurs catastrophes se sont produites sur notre sol. Nous sommes retournés en Alsace et nous avons retrouvé Jean-Marie Schreiber sur les lieux du fameux crash de Habsheim. C'était le 26 juin 1988, un dimanche au milieu de l'après-midi. Ce jour-là, un meeting aérien est organisé sur ce petit aérodrome près de Mulhouse. À l'époque, Jean-Marie travaillait pour la presse locale et son journal l'avait envoyé pour couvrir l'événement à bord de l'avion. Ambiance bon enfant, ambiance de fête. Il y avait un speaker professionnel des meetings aériens qui était là. Il y avait les avions de Jean Salis qui faisaient des démonstrations. Il y avait des simulations de combat. En famille ou entre amis, tous sont venus pour assister au clou du spectacle. Le vol de démonstration du tout nouvel Airbus A320. Mais ce jour-là, l'impensable va se produire. Ils attendaient la venue de l'A320. Et puis il est venu et... Vous savez, la suite, il s'est planté là-bas dans les arbres, en bout de piste. Putain. La catastrophe se déroule sous les yeux de milliers de spectateurs incrédules et filmé par toutes les caméras de télévision. Aujourd'hui, Jean-Marie Schreiber revient sur les lieux du drame dans cette forêt, à l'endroit même où l'avion s'est écrasé. Il y a 25 ans, il était à bord de l'Airbus, avec 129 autres passagers. Donc l'avion, il a pris pratiquement les premières branches d'arbres. Heureusement que c'était des petits arbres encore à l'époque, hein, des arbres de ce genre-là. Mais si ça avait été de gros, eh bien on ne serait pas là. La plupart des passagers parviennent à évacuer rapidement, mais trois d'entre eux restent prisonniers de la carlingue et périssent dans les flammes. Aujourd'hui, seule une petite stèle commémorative témoigne encore de la tragédie. Évidemment, ça frappe toujours un crash d'avion parce qu'il y a
En général, il y a énormément de morts, puisque dans un avion, il y a plus de personnes que dans une voiture. Et là, en plus, c'est un crash qui s'est fait en direct, devant plusieurs milliers de personnes. À l'époque, il n'existe aucune procédure pour la prise en charge psychologique des victimes de crash. Les rescapés sont donc livrés à eux-mêmes, avec leurs angoisses. Je sais qu'il y a des gens qui sont restés traumatisés presque à vie, hein, qui ont mis beaucoup de temps à se défaire de ce ressentiment, qui ont... Voilà. De temps en temps, je me dis, bon, ben, c'est vrai, j'ai 25 ans de rap, je devrais être de l'autre côté depuis bien longtemps. Ou alors, quand il y a un crash d'avion ou quelque chose, ça remémore un petit peu. On essaye de voir s'il y a des similitudes entre les deux. Voilà. Depuis le crash de Habsheim, les procédures ont été modifiées. Désormais, en cas d'accident d'avion, une cellule de soutien psychologique est immédiatement mise en place pour aider les survivants à tourner la page. Pourtant, l'impact d'une catastrophe aérienne peut choquer bien au-delà des seuls rescapés et de leurs proches. Car les crashs d'avion viennent nourrir un sentiment d'inquiétude, voire une méfiance générale envers le monde de l'aéronautique. Une estimation révèle qu'un tiers des passagers éprouvent de la peur pendant un voyage en avion. Peut-être est-ce votre cas? À Paris, il existe un centre de traitement de la peur en avion qui organise régulièrement des stages anti-stress. Sur Vol'Hilo, c'est deux fois plus stressant pour moi. Quoi. L'eau. Ouais, voilà, donc, parmi les participants à ce stage, certains n'ont jamais osé prendre l'avion et d'autres vivent chaque voyage comme un véritable cauchemar. Ça fait longtemps que j'ai peur de prendre l'avion, ça fait une dizaine d'années, et à chaque fois que je vis un vol, je me dis qu'il ne faut plus que j'ai de vol comme ça, c'est trop terrible. Et donc je me suis renseignée depuis longtemps sur les stages. Je comptais en faire un, et là je voyage à Istanbul dans un mois, et donc je me suis dit que c'était le bon moment, parce qu'apparemment c'est mieux de le faire peu de temps avant un vol. Première étape de ce stage, les participants sont accueillis par une psychologue qui va tout faire pour les rassurer. Bienvenue à tous. Je sais que c'est difficile hein, même de se confronter à une journée comme ça quand on a peur de l'avion. Parce que si vous êtes là, c'est parce que la situation est difficilement supportable. En fait. Les mains moites, le corps entièrement crispé et le cœur qui s'emballe jusqu'à provoquer de véritables crises de panique, ces symptômes sont un vrai calvaire pour ceux qui souffrent de stress aéronautique. L'avion, c'est vraiment l'élément qui fait que on a l'impression de ne plus contrôler quoi que ce soit, parce qu'on à la fois on laisse un peu sa vie dans les mains d'un inconnu. On entend une sorte de vrombissement. L'angoisse des passagers est souvent provoquée par leur méconnaissance totale du domaine de l'aviation. Cet ancien pilote va donc leur délivrer des informations techniques pour dissiper les malentendus. Comme quand vous avez ce truc-là, on a l'impression. Il faut imaginer quelque chose qui n'est plus possible aujourd'hui, mais qu'une fenêtre explose, par exemple. Là, c'est une dépressurisation explosive. Il y a eu des histoires. C'est justement pour ça qu'il n'y en aura plus aussi. Parce qu'il y a eu des accidents et on a trouvé les moyens de les surmonter. Moi, c'est la peur du décollage, l'accélération, l'avion qui s'incline. Voilà, cette partie-là qui me rend anxieux, même si on a plein de statistiques, même si on a plein de choses très factuelles qui nous rassurent, voilà, c'est des choses un peu irrationnelles. Pour la seconde étape de ce stage, les participants vont se livrer à une expérience étonnante. Ils vont devoir prendre la place du pilote. Dans ce simulateur de vol, la réplique parfaite d'un cockpit de Boeing 737. Ouais, c'est ça. Le problème en avion, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe devant. Et les gens ont peur de ça, donc le fait de se retrouver dans le cockpit voit un peu ce que font les pilotes. Du coup, ils enregistrent les bruits qui se passent aussi dans le cockpit. Ils savent à quoi correspond quel phénomène. Donc je pense que ça peut les aider. Céline, qui va bientôt prendre l'avion pour Istanbul, découvre les sensations d'un commandant de bord lors d'une phase de croisière.
la sensation que l'aile se rapproche énormément du sol. Alors que c'est pas vrai du tout, on est très haut, mais... c'est très impressionnant. Très impressionnant. J'ai le même, sensation de, la même sensation de vertige et de malaise qu'en réalité, mais un petit peu atténué parce que je sais que c'est un simulateur. Pour Céline, la séance de simulateur n'est pas miraculeuse. Il y aura peut-être encore un peu d'appréhension lors de son prochain décollage. Pourtant, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde. Tous les chiffres sont là pour le rappeler. Il existe seulement une chance sur 11 millions de périr dans un crash. Statistiquement, il faudrait donc voler tous les jours pendant 14 000 ans pour connaître un accident. Cette sécurité maximale n'est pas le fruit du hasard. Le transport aérien est encadré par des règles rigoureuses. De la conception des avions jusqu'à la formation des pilotes, tout est strictement réglementé et surveillé de près par les autorités. Direction Toulouse, à l'ENAC. Vous allez pouvoir découvrir les coulisses de cette école de référence où vient se former plus d'un tiers des pilotes de ligne français. Des pilotes qui seront probablement aux commandes de votre avion dans quelques années. Les apprentis commandants de bord sont triés sur le volet au terme d'une sélection rigoureuse. Chaque année, seuls 28 candidats sont admis sur plus de 2000 postulants. En général, ce sont des jeunes qui adorent voler, soit qui connaissent, soit qui rêvent de ça depuis qu'ils sont tout petits. Et en général, c'est ça. Alors certains ont déjà touché un avion, d'autres non. Tout dépend des moyens de leurs parents, en fait. Donc on a des gens ici qui n'ont jamais volé de leur vie. C'est un livre de chaque rangée, un seul de chaque rangée. Faites attention, hein, celui qui se trompe, je l'ai à l'œil. Allez. En guise de cadeau de bienvenue, les nouveaux élèves reçoivent une pile de documents et de procédures techniques qu'ils devront bientôt maîtriser parfaitement. Il va y avoir un peu de travail à fournir, hein, comme au premier semestre. Ces jeunes ont à peine 20 ans. Pourtant, dans quelques années, c'est très certainement l'un d'entre eux qui vous emmènera sur votre lieu de vacances. Mais en attendant, ils vont devoir suivre 3 ans d'une formation rigoureuse, dont les 2 premières années sont purement théoriques. On va faire 3 tests. Il y aura peut-être des tests surprises, hein, ça dépend. Aujourd'hui, ensuite, le cours va porter sur la cellule, c'est-à-dire la carlingue de l'avion. Il faut quand même savoir que jusque dans les années 90, hein, même en 88 encore, il y avait pas mal d'accidents dus à la cellule qui cassait. Donc un avion qui perd un morceau de fuselage, qui perd un empennage, qui perd un morceau d'aile. Et bon, ça pardonne pas. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez plus vraiment de choses qui cassent comme ça. Ils sont sélectionnés, vraiment triés sur le volet, parce qu'il faut que ce soit quand même des étudiants qui veulent faire ça, parce que c'est un métier qui est dur, une formation qui est dure, très rapide. Et en même temps, il faut qu'ils soient conscients des responsabilités qu'ils auront. C'est l'inventeur de l'aérodynamique moderne, hein. C'est lui donc qui a mis en évidence... Dans une autre salle de cours, les élèves portent déjà l'uniforme de pilote. Ils sont en 3e et dernière année d'école. Mise en place de ce qu'on vient de voir dans le simu. Parmi eux, Marjorie, 23 ans, qui va s'attaquer à la partie pratique. Alors, installez-vous. En utilisant notamment des simulateurs de vol comme celui-ci. Une réplique de bimoteur à hélice. L'idée, donc, c'est de voir comment se déroule une séquence de pas de moteur, d'accord ? Okay. Donc, top décollage, tu mets la puissance et c'est parti. C'est un avion, ça vole comme les autres. Voilà, 85 de rotation. Tac, tu viens chercher ton assiette de montée. Ouais, tu un peu, c'est toujours le simu. Voilà, parfait. Pas plus. Un peu moins, Marjorie. Le nez sur l'horizon, comme ton TB20. Voilà. Aujourd'hui, l'exercice est un peu particulier pour Marjorie. L'instructeur va simuler la panne d'un moteur en plein vol. Une situation stressante, elle va devoir appliquer la procédure d'urgence en vigueur. Allez,
pour exercice, pas de moteur. Tac, tu vois, hop, contrôle, parfait. Puissance. Je baisse la puissance. Allez. Vas-y, réduis tout. Hélice numéro 1, Fizer. Ok. Compensation. Qu'est-ce qu'on ferait comme message radio là? M'aider. Ouais, m'aider ou un pad, ça dépend des compagnies. M'aider, c'est pas idiot. Hein. M'aider, Fox Delta Juliette, pas de moteur, on est en route vers les installations. Le simulateur permet de reproduire l'ensemble des incidents et des pannes que Marjorie pourra rencontrer dans sa future carrière de pilote. C'est une montée d'adrénaline, il faut réussir à hiérarchiser les priorités. Je pense que c'est ce qui est le plus dur parce qu'il y a plein de choses à faire d'un seul coup et il faut réussir à hiérarchiser, à ordonner voilà, pour traiter la panne. Mais bon, après, on a de la doc et des checklists qui sont là pour nous aider aussi et nous aiguiller dans la gestion de ces pannes. Donc ça facilite la tâche. Dans une compagnie aérienne de taille raisonnable, il doit y avoir, je ne sais pas, je dirais une dizaine ou une vingtaine d'arrêts moteurs, volontaires ou pas, par an sur une exploitation. C'est pas ridicule. Hein. Le matériel est très très fiable, ça reste du matériel mécanique, donc il peut de temps en temps tomber en panne. Hein. Et pour ça, bah, il faut y être entraîné. C'est pas un avion vole très bien sur un moteur, hein. Marjorie, là, elle vole sur un moteur simulé, mais dans la réalité, ça serait exactement pareil. Là, tu peux commencer à réduire, Marjorie, doucement, sans creuser le plan. Commence à réduire. Voilà. Pas loin derrière, il se pose. Parfait. Oh, très bien. L'ENAC possède 130 avions à hélice qui sont mis à disposition des élèves dans différents aérodromes. C'est la seule école de pilotage à détenir une telle flotte d'appareils. Avant chaque décollage, Emmerich inspecte soigneusement son avion. C'est un pilote méticuleux, instructeur depuis 15 ans. Mais sur ce vol, il va prendre la place de passager pour laisser les commandes à son élève, un jeune pilote libyen venu se former à la méthode française. Okay. Engine number one, start, safety check. Yes. Pour obtenir leur diplôme, les élèves doivent avoir cumulé 185 heures de vol sur de petits avions comme celui-ci. Les débuts de formation, toutes les phases initiales se font sur des petits monomoteurs ou bimoteurs, toujours. Après, la méthode de pilotage reste la même. Bon, c'est les systèmes qui évoluent en fonction des avions, mais le principe de pilotage est le même, que ce soit pour un monomoteur ou un avion plus gros, quoi. Efficient symmetrical, you have control. Okay. Aujourd'hui, ils partent en Bourgogne, un trajet d'une heure et demie, en survolant le Massif Central. Là, au stade où on en est de la formation, l'élève est en SPIC, c'est-à-dire en pilote seul aux commandes. Donc en fait, il doit gérer par lui-même le vol, que ce soit en termes de pilotage, suivi de trajectoire, prise de décision. Regarde, il y a encore des nuages là. En fonction des turbulences, tu vas pouvoir réduire la vitesse si nécessaire. En pénétrant dans cette masse nuageuse, l'élève perd toute visibilité. Se confronter à ce genre de conditions météo, c'est la base du métier de pilote. Il doit alors rester en liaison constante avec le contrôle aérien et les yeux rivés sur les instruments de navigation. Cette procédure de vol lui permet de rejoindre la base en toute sécurité. Dans quelques mois, il effectuera les mêmes gestes, mais sur un avion de ligne, avec des passagers. Aéroport de Roissy, terminal 2B. Tom Van Mingen vient prendre son service. Ce pilote d'origine flamande a déjà 16 ans de carrière derrière lui, 12 000 heures de vol. Il a transporté des centaines de milliers de passagers.
On va voler aujourd'hui à Lisbonne. Et donc, je vois que tout est calme pour l'instant. C'est très bien. Il fait très beau dehors. Je suis content. Avec lui, nous allons vous faire découvrir le quotidien d'un pilote de ligne. Tom est convoqué à l'aéroport 2 heures avant le décollage. Derrière ces portes rouges, les coulisses de Roissy, réservées uniquement aux membres des compagnies aériennes. Une zone de sécurité du terminal où se trouve la crew room, en français, la salle d'équipage. Tom va partir dans moins de 2 heures à Lisbonne. Il vient faire connaissance avec son nouveau copilote. Je viens d'imprimer le plan de vol, il est juste là. Excellent, thank you, thank you. À eux deux, ils vont effectuer la préparation du vol. Et même s'ils connaissent la route par cœur, chaque vol est différent. On regarde la route qu'on va prendre, la météo en route et à la destination. Et donc on fait des calculs basés sur toutes les informations données. Et en fonction de ça, on fait un vol très sûr. Bon, apparemment, on risque de croiser un peu de neige dans la région de Brest. Et il va y avoir de forts vents de travers sur cette partie-là du parcours. Pilote et copilote doivent prendre en compte tous les paramètres du vol. La météo, bien sûr, mais aussi l'état de l'avion, le nombre de passagers et le poids des bagages, afin de déterminer la quantité de carburant dont ils vont avoir besoin. À mon avis, comme la météo n'est pas très favorable, je pense qu'il faut ajouter un peu de carburant. Cependant, nous sommes limités en poids pour le décollage, donc je suggère de mettre 8 tonnes. Les pilotes emportent toujours plus de carburant que nécessaire, car ils doivent pouvoir voler 1 heure et demie de plus en cas d'imprévu. Une marge de sécurité imposée par les autorités. Il nous faudrait 8 tonnes de carburant pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. De son côté, Rémi, le chef de cabine, fait lui aussi le briefing avec les hôtesses et stewards. La compagnie étant sous pavillon britannique, tout l'équipage doit communiquer en anglais. Et là encore, il est question de sécurité. Alors, citez-moi un équipement de sécurité dans l'avion. Alors, il y a 7 lampes de poche à utiliser en cas d'obscurité. Elles sont situées à l'arrière, dans la partie PNC, et 2 autres à l'avant. Avant chaque vol, Rémi s'assure ainsi que les hôtesses maîtrisent sur le bout des doigts les consignes de sécurité. L'exercice peut paraître un peu fastidieux, mais il s'agit de procédures systématiques imposées à tout l'équipage. Je dois leur poser une question sur tout ce qui est sécurité dans l'avion, qui peut être aussi bien les équipements, que s'il y avait un feu, que s'il y avait une bombe à bord, que s'il y avait des roues qui ne sortent pas. Nous, on est censé connaître tout ça par rapport à notre manuel. Et à partir du moment où ils connaissent leurs procédures et leur sécurité, ça veut dire que je peux les accepter à bord sur le vol, qu'il n'y a aucun risque, entre guillemets. L'heure du décollage approche. L'équipage se dirige vers la porte d'embarquement. Dans quelques minutes, le commandant de bord aura la vie de 156 passagers entre les mains. Les pilotes sont toujours en train de penser à ce qui peut arriver. C'est-à-dire, on a toujours des scénarios pour savoir qu'est-ce que je vais faire avec telle ou telle situation. Et on essaie de nous préparer pour des éventualités. C'est pour cela. Donc oui, il y a une certaine concentration nécessaire pour cela. Thanks, Simon. Une fois installé dans le cockpit, le pilote doit faire la checklist, tester le bon fonctionnement des différentes alarmes et rentrer les données du plan de vol dans l'ordinateur de bord. And give you a briefing. Absolutely. Right. Tech log, nothing to affect us today. À chacune de ces actions, le commandant doit informer le copilote et obtenir son approbation. En cas de désaccord, c'est le commandant de bord qui a le dernier mot, une procédure qui doit permettre d'éviter les erreurs de pilotage. Du côté de la cabine, les hôtesses vérifient la présence de tous les équipements de sécurité. C'est des gilets de sauvetage qui sont en plus. Et donc voilà, faut bien vérifier qu'il y ait le nombre correct, que ça soit bien rangé, surtout que rien ne soit cassé, déchiré, qui peut confirmer l'intégrité en fait, de l'équipement de sécurité. Donc on fait
Ces procédures de sécurité sont systématiques, en cabine comme sur le tarmac. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le copilote de votre avion qui descend lui-même au pied de l'appareil pour un tour d'inspection, afin de vérifier que rien de suspect ne puisse compromettre la sécurité du vol. Je regarde s'il n'y a pas de fuite de liquide. Je vérifie le bord d'attaque du réacteur et s'il ne reste pas des morceaux de glace à l'arrière des ailettes. Et je les fais tourner pour vérifier que le mouvement est bien libre. Là, c'est nickel. On fait cette vérification à chaque rotation de l'appareil. Donc si l'avion vole 4 fois aujourd'hui, il y aura 4 inspections, c'est la règle. Une fois tous ces contrôles effectués, les passagers sont enfin autorisés à embarquer. Nous sommes presque prêts pour le départ et après la fermeture des portes, mon équipage va vous présenter les consignes de sécurité ici à bord. J'aimerais bien que vous prêtiez attention à cela. C'est non seulement pour votre sécurité, mais aussi pour la nôtre. La sécurité est très très générale. Ça peut être d'un extrême à l'autre, le terrorisme d'un côté et les simples erreurs humaines de l'autre. Et c'est pour cela que oui, on reste très concentré. Quelle que soit la compagnie, pendant la durée de vol, la sécurité à bord est aussi l'affaire des hôtesses et des stewards. Au-delà du service de restauration, la mission première du personnel de cabine est d'assurer la sécurité de tous les passagers. Vos bagages à main les plus lourds peuvent être placés sous les sièges devant vous. Les autres peuvent être rangés dans les coffres. Les portes et issues doivent rester dégagées pour tout bagage. Ce sont eux, notamment, qui se chargent de faire les démonstrations de sécurité rendues obligatoires pour toutes les compagnies. Et en cas d'accident, hôtesses et stewards sont en première ligne pour organiser l'évacuation et prodiguer les premiers secours. Dans ce hangar près de l'aéroport de Roissy, ces stewards d'Air France, qu'on appelle les PNC, reçoivent chaque année 2 semaines de formation. Mesdames, messieurs, détachez votre ceinture, restez assis. Ici, des maquettes d'avions permettent aux membres d'équipage de répéter les gestes qui sauvent. Au programme, évacuation d'urgence ou extinction d'un feu en plein vol. Le personnel de cabine répète régulièrement ces gestes d'urgence adaptés à toutes les situations critiques. Ce sont toutes ces procédures qui garantissent aux passagers un voyage sans encombre. Mais pas seulement. Il existe encore d'autres mesures de sécurité qui concernent l'avion en lui-même. Pendant toute sa durée d'exploitation, un avion est soumis à des révisions régulières établies selon un programme de maintenance très strict. Des révisions ont lieu tous les 2 mois et d'autres plus approfondies tous les 4 ans. L'avion est alors inspecté de fond en comble, quasiment pièce par pièce, et remis à neuf. Pour les nouveaux appareils, bourrés d'électronique, la technologie est tellement avancée que c'est l'avion lui-même qui détecte ses propres anomalies. Les données sont transmises en temps réel aux mécaniciens pour préparer les éventuelles réparations. Ces informations sont retransmises au sol à des centres de maintenance qui suivent en permanence la situation des avions en opération où qu'ils soient dans le monde. L'information peut être communiquée au mécanicien qui se trouve dans l'escale et savoir quelle intervention il a à faire, quelle pièce il peut éventuellement avoir à changer, compte tenu des informations que l'avion lui-même a délivrées en vol. Autre exemple de maintenance, un avion comme l'A330 subira pas moins de 70 visites d'entretien en 10 ans. De quoi garantir la fiabilité des appareils mis en avant par les constructeurs. Mais les accidents d'avion sont rarement dus aux seules défaillances techniques. On estime même que dans 75% des crashs, c'est le facteur humain qui est mis en cause, et notamment la fatigue des pilotes. Un problème méconnu du grand public, mais pourtant réel. Un petit tour sur Internet suffit à dresser la liste des accidents pour lesquels la fatigue a été retenue par les enquêteurs comme une cause probable du crash. Sur les 20 dernières années, on dénombre 250 accidents causés par la fatigue. Autant de crashs qui auraient pu être évités avec des pilotes en pleine possession de leurs moyens.
Ce phénomène inquiétant est dénoncé jusqu'à Bruxelles. C'est ici que se trouve le syndicat européen des pilotes de ligne. Une large enquête a été menée récemment auprès de 6000 pilotes. Bien souvent, les pilotes font des départs très matinaux. Par exemple, ils sont convoqués à 5h30 du matin. Mais cela veut dire qu'il faut être debout vers 4h ou 4h30 pour aller à l'aéroport. Et cela perturbe le rythme du sommeil. Sans compter le décalage horaire. Notre étude révèle qu'un pilote sur deux s'est déjà endormi dans le cockpit, sans avertir son copilote. C'est plutôt effrayant de savoir que le pilote aux commandes est en fait en train de dormir. D'autre part, 3 pilotes sur 5 affirment avoir déjà commis des erreurs de pilotage à cause de la fatigue. En mai 2012, plusieurs centaines de pilotes ont même manifesté devant le siège de l'Agence européenne de sécurité aérienne pour dénoncer ces amplitudes horaires jugées dangereuses. Chaque passager attend de l'équipage non seulement qu'il soit compétent, mais aussi qu'il soit pleinement alerte et reposé et capable de les amener à destination en toute sécurité. Les pilotes réclament que les futures règles européennes les empêchent de travailler plus de 16 heures d'affilée, à l'instar de la réglementation américaine. Le problème est désormais pris en compte et la Commission européenne imposera bientôt de nouvelles règles communes à toutes les compagnies. Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, une véritable fourmilière. Avec un décollage toutes les minutes, c'est le deuxième aéroport en Europe. 1500 avions décollent et atterrissent chaque jour à Roissy et transportent plus de 58 millions de passagers chaque année. Mais ces avions, qui viennent du monde entier, sont-ils tous sans danger? Pour en être sûr, les autorités sont engagées dans une véritable chasse aux avions poubelles. Dans un bureau situé à proximité des pistes, les hommes de la DGAC étudient la liste de tous les avions qui doivent atterrir aujourd'hui. Sierra Bravo, ok, 320. On regarde sur le CIF. Ils repèrent ainsi les compagnies qu'ils vont pouvoir contrôler. Sur Charles de Gaulle, donc, toutes les compagnies sont contrôlées tout au long de l'année, hein, suivant des cycles donc, déterminés en fonction du résultat de nos contrôles. Donc ce matin, donc, dans notre programmation, donc, c'est un avion qu'on vise. Quoi. Donc on va aller voir l'avion décolle à 10h55. Donc on s'en arrivera, c'est un 320, on sera une heure avant le décollage sur l'avion. Quoi. Aujourd'hui, ces contrôleurs que vous ne voyez jamais ont accepté de vous montrer comment se déroule concrètement une inspection. Le duo part vérifier l'Airbus A320 d'une compagnie saoudienne en provenance de Jeddah. On vient faire un contrôle sur l'avion, on est de la DGAC. Il s'agit de contrôles inopinés auxquels doivent se soumettre toutes les compagnies. À eux deux, ils vont faire le tour de l'avion pour un contrôle visuel approfondi. À tout moment, s'il trouve la moindre anomalie, l'avion peut être cloué au sol et le vol purement et simplement annulé. On regarde l'état de la bande de roulement du pneumatique, la propreté des freins d'atterrissage, le graissage et l'absence de fuite hydraulique au niveau du frein d'atterrissage. Recherche de fuite, mais aussi de traces de corrosion ou d'impact sur la carlingue et les réacteurs. Toutes les parties sensibles de l'avion sont inspectées minutieusement. On regarde qu'il n'y ait pas de déformation éventuelle donc sur les panneaux. On a eu des cas concrets où on trouvait des déformations sur les panneaux. Hein. Donc c'est des points clés lors de l'inspection. Hein. Et les contrôleurs tombent parfois sur des objets incongrus au beau milieu du tarmac. Là, quand, ce qu'on peut trouver quand on fait le tour d'un avion, c'est de tomber d'un camion ou de... j'en sais rien. Pas toujours utile que ça n'a rien à faire sur le parking. Hein. Ça peut être ingéré par un réacteur et ça peut causer de gros dégâts sur le réacteur de l'avion. Quoi. Le boulon indésirable est remis aux mécaniciens. Rien d'autre à signaler pour l'inspection au sol. Le contrôle va donc se poursuivre à l'intérieur de l'avion. Ok. Ok. Le tour d'avion est fait. Rien de spécial pour nous. Maintenant, il faudrait que je vérifie vos licences. Les inspecteurs vont désormais se pencher sur la partie administrative. Ils épluchent les différents registres de l'avion à la recherche d'éventuelles entorses au règlement. Si l'avion n'est pas conforme, il risque d'être cloué au sol par les autorités qui exigeront des réparations immédiates.
Là, on regarde, c'est tout le suivi technique de l'appareil. Le carnet d'entretien de l'appareil est particulièrement riche en renseignements. Il contient tout l'historique des opérations de maintenance. Juste des problèmes de joint au niveau du plancher à l'entrée, mais rien de majeur. Que des petits défauts mineurs qui vont être solutionnés lors des prochaines visites d'entretien. L'inspecteur va maintenant s'intéresser aux équipements de sécurité à l'arrière de la cabine. Il doit faire vite, car les passagers ne vont pas tarder à embarquer. On vérifie tous les équipements de sécurité dans la cabine, l'extincteur, les gilets de sauvetage, les sièges qui doivent se relever automatiquement pour l'évacuation en cas d'urgence. On regarde la validité des masques oxygène également, l'état des bouteilles d'oxygène dans les compartiments. L'embarquement des passagers a déjà commencé. L'avion n'ayant rien révélé de suspect, il sera autorisé à décoller à l'heure prévue. De nos jours, avec tout ce trafic aérien, je trouve ça plutôt rassurant qu'il y ait des gens qui viennent nous contrôler. Même si ça prend un peu de temps et que ça nous rajoute un peu de stress pendant 20 minutes, c'est pas très grave. Ce qui compte avant tout, c'est la sécurité. Des contrôles comme celui-ci, la DGAC en effectue plus de 2500 chaque année. Les résultats de ces inspections viennent alimenter une vaste base de données européenne. C'est ainsi que sont détectées les compagnies dangereuses, qui sont placées sur la fameuse liste noire. Réactualisée tous les 3 mois, cette liste noire recense toutes les compagnies aériennes interdites de se poser en Europe et même de survoler le territoire. Lors du dernier décompte, elles étaient près de 300 compagnies bannies du ciel européen. Parmi celles-ci, beaucoup sont basées dans des pays africains et utilisent des avions de l'ère soviétique, type Antonov ou Tupolev, des appareils souvent hors d'âge et mal entretenus. Mais la liste noire ne s'intéresse qu'aux compagnies qui ont demandé à desservir le territoire européen. Il existe donc bien d'autres compagnies à risque que vous pourriez emprunter en dehors de l'Europe. François Nénin est journaliste d'investigation. Il a créé le site SecureVol pour pallier aux carences de cette liste noire. On a pu, grâce à SecureVol, faire passer un message aux passagers qui était « Attention, vous pouvez très bien monter dans une compagnie qui n'est pas interdite par la liste noire européenne, mais qui est dangereuse. Certaines compagnies ne seront jamais interdites par la liste noire européenne parce qu'elles n'ont pas demandé de droit de trafic à l'Europe. Donc elles ne viennent pas se poser sur les aéroports européens et elles ne survolent pas l'espace aérien européen. Mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont dangereuses. » Aujourd'hui, on estime que plus de 5 milliards de personnes utilisent l'avion chaque année. Alors que le nombre de passagers dans le ciel augmente, le nombre d'accidents diminue. Ces 10 dernières années, le nombre de victimes a même été divisé par 2. Avec des avions plus sûrs et mieux entretenus, une meilleure prise en compte des facteurs humains, le transport aérien est en amélioration constante. L'expérience de ce crash test permettra d'optimiser encore la conception des avions. Même si les accidents sont encore possibles, il n'en demeure pas moins que l'avion est aujourd'hui le moyen de transport le plus sûr.